nombre des complexes scolaires confessionnels de renom au Bénin figure en bonne place le CS bilingue Dorcas de Dissoupa dans la commune de Ouida. Le complexe scolaire bilingue Dorcas se situe dans l'avant de la MEF, dans le quartier Dissoupa, et précisément dans l'avant de l'ONG FID Nice, à côté de l'Est Domaine. Complexe scolaire bilingue Dorcas compte de la maternelle au CM2. Et aussi, il compte parmi ses rangs aussi le secondaire de la 6e en 3e. Nos résultats, depuis plusieurs années, nous donnons 100%, surtout au CEP. Et particulièrement cette année, l'année qui vient de terminer, nous avons donné 100% au CEP comme au BEPC. Alléluia. Alléluia. Si alléluia. Constituer des cours maternels, primaires et secondaires, dispensés en anglais et en français, le complexe scolaire bilingue Dorcas affiche un environnement propre et sécurisé avec des matériels didactiques de qualité pour une équipe dévouée et rompue à la tâche. Pour un apprentissage scolaire et une éducation de qualité, une seule référence pour vos enfants. Le complexe scolaire bilingue Dorcas de Dissoupa, sise dans l'avant de la mission évangélique de la foi. Sinon, le complexe bilingue Dorcas, c'est une école confessionnelle. C'est une école créée par la congrégation, la MEF, la mission évangélique de la foi. Ici, la rigueur régit. Il est vrai qu'en haut là-bas, ils ont interdit le châtiment corporel. Mais ici, on essaie de voir, c'est avec la douceur. Et aussi, il y a les conseils pour les enfants. De temps à autre, parce que les enfants que nous encadrons, et premièrement, si tu n'es pas dans le cadre, tu ne peux pas enseigner des enfants. La formation, on fait la formation d'abord avant de se présenter devant les enfants. Les enfants qui sont là, même les parents, même, ne les maîtrisent pas tous à la maison. C'est arrivé ici que nous, on apprend à connaître chaque enfant. Si tu as 50 élèves dans ta classe, tu dois chercher à les connaître toutes, un à un. C'est pour cela que j'ai dit qu'on doit apprendre à connaître les enfants. Donc le travail nous revient.